à ce moment-là, je ne pas d'autre. À savoir que cette financement, celui qui sera le meilleur solo de la matinée, sera qualifié directement en demi-finale. Il n'aura pas à passer par les cartes. Donc ça, on va
Place Maxence Péan et il n'y a pas le droit au vélo non plus hein, d'ailleurs dans le bus. Deuxième avec Guillaume Roux et puis le vainqueur c'est Nicolas Casuccio per Italia. Puisque nous étions dans le haut là, mais je suppose qu'ils vous ont fait le show et je voudrais que vous fassiez un peu plus du bruit Avignon avec les maillots et les charmants jeunes hommes qui va remettre les prix. Il le mérite. Une ovation à Stéphane Ceccarelli, s'il vous plaît. Stéphane, je te laisse un petit mot quand même, parce que tu es responsable de cette activité triale qui a encore lieu demain. Un grand merci aux pilotes d'être là, à Laurent, bien sûr, à tout ce qui se passe autour du vélo. On a vécu des dernières années un petit peu compliquées. Et bien, on est toujours là. On est toujours passionnés, on est toujours dans le vélo. Et il n'y a pas grand-chose qui nous empêchera de faire du vélo de toute façon. Il faut le garder. 3, 2, 1, top. Récompense le FMX, le mec fait triple flip sur le podium. Voilà, remise de la coupe et du chèque.